les enfants reconnaissent leurs parents, non seulement à leur physique, leur odeur ou au toucher, mais aussi dès le début à leur voix. Même si les bébés ne parlent pas encore, il est possible de converser avec eux. À 4 mois environ, un bébé fait des pauses lorsqu'il gazouille afin de laisser parler les adultes. C'est ainsi que se crée une sorte de dialogue, bien avant que les choses soient appelées par leur nom. Ja, das bist du. Dede. Als kleines, kleines Baby. Dede. Dede, guck mal. Hast du schon Auge, Nase, Mund und Hände. Beaucoup de parents sont étonnés de constater tout ce que leurs enfants comprennent avant même de savoir parler. Au bout d'un an environ, les enfants font une merveilleuse découverte. En créant certains sons, on peut faire de vraies merveilles. Papa. Des mots magiques sont maman et papa. Papa. Oder Mama. Wie wär's mit Mama? Wie ist es denn? Papa. 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 Sag mal. Papa. 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 Kinder, was ist das denn? On apprend à chanter en parlant ensemble ou en chantant. Käfer, Punkt. So wollen wir unser Käfer nicht mal singen? Käfer, du gefällst mir sehr. Wo hast du die Punkte her? Nein, dann sag es nur hier. Par le biais des images, on peut bien apprendre et retenir de nouveaux mots. Attends. Ti ta 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 ti ta ta. Auto. Auto. Ich denke, dass Kinder durch die Zwei- oder Mehrsprachigkeit nicht überfordert werden. Ganz im Gegenteil. Ich kann das ja beobachten bei Ella. Sie nehmen mehrere Sprachen. So scheint es mir wirklich im Vorbeigehen mit. Klein, the water spout. Out came the rain. Les rimes et les rythmes facilitent la compréhension des syllabes et des sons dans chaque langue. Right up all the rain. And incy wincy spider climbed the spout again. Hey. Même sans soutien particulier, les petits-enfants peuvent apprendre sans problème une ou plusieurs langues, un véritable atout pour la vie future. Quand on parle sa langue maternelle, il est plus facile d'exprimer les sentiments et d'expliquer le monde clairement. Ich bin der Affe und schwinge mit den Armen. Kannst du das auch? Das kann ich auch. Oui, c'est bien, ja, Mama kann das auch. Et le chat, comment il fait le chat? Oui, tu fais un câlin au chat? Oui, voilà, un câlin, c'est bien. Chaque personne doit toujours parler la même langue avec son enfant. Le crocodile. Tereux, tereux. Peu importe dans quelle langue, plus on parle avec son enfant, plus l'apprentissage de la parole en est favorisé. Dis-moi. Papa, 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 c'est bien, chérie. Bravo. Oui, il adore, bah, dehors, on en a aussi. Les enfants se sentent proches de leurs semblables et apprennent les uns des autres. Ce sont les adultes qui apprennent les mots difficiles. Ja. Und du hast einen weißen ICE bekommen und einen? Einen digitalen und einen blauen. Und einen blauen, genau. Der TGV ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der ICE ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der Shinkansen ist ein Hochgeschwindigkeitszug. Ne? Das sind alles Züge und die sind ganz schnell. Und der ICE mit dem Hundstreimer, der fährt auch ganz
deshalb ist das auch ein Hochgeschwindigkeitszug. Ja. Hm? Das vorbei. Ja, ganz schnell vorbei. Hm? Kennst du den Hochgeschwindigkeitszug? Der fährt dann der ICE da auf mit den hohen Sanja vorbei saust. C'est ainsi que l'on apprend des mots difficiles en jouant. Das hast du aber schön gesagt, David. Wunderbar. Hm? Der fährt ganz schnell vorbei.